one night to speed up truth. We had a promise made, four hands and then away, both under influence. We had divine sense to know what to say. Mind is a razorblade to call for hands of above. Là, on va blanchir les zestes. Oui. Donc, je te mets un petit peu d'eau froide. Un peu d'eau froide, encore un petit peu. D'accord. Qui est un centimètre dans le fond. Voilà, tu mets tes zestes. D'accord, donc zeste d'orange. Tout à fait. Dès qu'il y a l'ébullition, on va les égoutter. D'accord. Recommencer l'opération pendant 3 fois pour retirer toute l'amertume des zestes. D'accord. Donc là, c'est quoi ta recette aujourd'hui? Alors, on c'est un dos de cabillaud sur un lait d'asperge verte au beurre d'orange. D'accord. Et donc tes zestes, on va les retrouver dans ton, dans le petit beurre d'orange. Tout à fait, à la fin, on va terminer notre sauce avec les zestes d'orange. D'accord. On va les caraméliser les zestes non. ou pas ? Non, on va les laisser comme ça. Simplement, ils vont apporter une petite consistance et puis une petite touche d'orange, mais sans l'amertume. Dès qu'on travaille des agrumes, là on est parti sur orange, mais citron c'est pareil, il faut toujours blanchir le zeste tout pour ne pas avoir cette, cette amertume-là. Oui, là oui, c'est bon, sa première ébullition. Là, il faut attendre une belle ébullition. Un petit peu. Oui. Voilà, là on a l'ébullition. Là c'est bon ? Maintenant c'est bon. Donc je débarrasse. Tout à fait. Tu débarrasses. Je reprends la même. Je reprends de l'eau froide. Tout à fait, de l'eau froide et on recommence l'opération. D'accord, pendant 3 fois. Ce que je fais, c'est que à la limite, je m'en occupe de ça. Et oui. Puis comme ça, je te laisse. Et moi, je peux commencer la sauce. Ouais, je te laisse avancer sur la D'accord. sauce. Je m'en occupe. Voilà, donc pour faire notre sauce, on va prendre de l'échalote ciselée. D'accord. Voilà. On va ajouter notre jus d'orange qu'on a pressé tout à l'heure. Donc le jus d'une orange. Oui, un petit peu plus, comme ça on peut récupérer celle où on a fait des zestes. Quelques gouttes de vinaigre. Ah d'accord, pour tu mets du Melfort. Oui, vinaigre de région. Oui. Qui amènera un petit peu d'acidité qu'on va retrouver à la fin. D'accord. Et du vin blanc. Voilà, la valeur d'un demi-verre. Tout ça, on va mettre à réduire. Donc là, on va laisser réduire. Ouais. Hein. Une fois que c'est réduit à sec, on mettra notre crème. D'accord. Donc là, on laisse réduire. Voilà. Pendant ce temps-là, on va peut-être s'occuper des asperges à faire glacer. Bah écoute, là, je le fais une dernière fois. Ouais. Voilà, parfait. Remets encore un petit peu d'eau, parce que tu vois, la casserole est tellement chaude, il faut le démarrer à l'eau froide. Voilà, la dernière fois. Donc, on s'occupe de nos asperges ? Oui, on va les faire glacer à blanc, c'est-à-dire que l'on va mettre du beurre dans notre poêle. Donc, je prends ça ? Ouais. Ah, tu vas même pas les cuire dans l'eau ? Non, du tout, parce qu'elles sont bien croquantes. Elles sont toutes fines ? Ouais, ouais, ouais. Simplement les laisser pendant 5 petites minutes dans du beurre. D'accord. Une goutte d'eau, un petit peu de sel, les laisser à couvert. Qu'elles cuisent un petit peu en absorbant l'eau, elles vont devenir glacées et puis on va les mettre bon. En dessous du cabillaud. Donc, je mets après. Un petit peu de beurre ? Oui, voilà, on peut être généreux avec le beurre. C'est la région. Voilà. Voilà, on va mettre nos asperges. D'accord. À peu près 4 par personne. Donc là, on est vraiment sur le produit de saison. Hein. Ouais, bah on est en pleine saison des asperges. Tu vas mettre un petit peu de sel dessus. D'accord. Et on va mettre de l'eau. D'accord. On va Donc couvrir. Je mets un peu de sel. Ouais. Un petit peu de sel. On va mettre un fond d'eau. Et ça va cuire avec le beurre à couvert. Ah bah écoute, moi j'arrête les oranges. Là, c'est bien. Ça brûle pas. Et voilà. Impeccable. Ça, on va s'en servir après pour terminer notre sauce. Là, je vais chercher un petit morceau d'aluminium pour couvrir nos asperges. Voilà, tu vois, ça commence déjà à bouillir. Ce qu'il faut faire, c'est un petit trou pour permettre à l'eau de s'évaporer. D'accord. Autrement, elle ne pourra pas partir. Et ça, on le laisse tout doucement sur le côté. Pendant quoi, une dizaine de minutes ? Oui, une petite Parce dizaine que toi, de tu veux qu'elle soit quand même un petit croquante. Peu croquante. Surtout croquante. Ouais. Ouais, elles sont toutes fraîches. Produit de saison comme ça, juste servi croquant. Et toi, t'aimes bien le poisson ? Ah oui, j'aime beaucoup le poisson, mais il ne faut pas qu'il y ait d'arrêt. Donc D'accord. la chose qui est très importante, surtout dans les restaurants, de travailler des poissons et de retirer les arêtes parce que... Mais tu prends plaisir à travailler du poisson ? Oui, beaucoup, beaucoup. Du poisson frais, comme en ce moment, on arrive à la fin de la saison du scré. Ce cabillaud des mers froides, là, c'est un produit qui est magnifique, qui se sert nacré. Les poissons sans arêtes, comme la lotte... Une bonne sole. Ouais, c'est vrai que c'est voilà. bon. Quel est vraiment l'ingrédient que tu adores travailler ? L'ingrédient que j'adore travailler, ben moi je suis assez basique sur les recettes de terroir. J'aime bien le cochon.
qui a un très bon goût. Une côte de porc fermière, ouais, avec des carottes, des oignons en cocotte, des pommes rôties avec toujours des oignons, du saindoux. Ouais, voilà. Donc, t'es plutôt traditionnel. Ouais. T'aimes bien les vraies recettes, ouais, voilà, qui mijotent avec du bon beurre, des bons produits. Voilà. De temps en temps, des petites choses un petit peu comme ça, mais j'ai travaillé en Angleterre où on était beaucoup sur le sucré salé. Et ça t'est resté, du coup, de temps en temps, t'aimes bien faire un peu de fruits avec des poissons ou même des pêches avec des jambons, mais toujours avec notre beurre et notre crème. Donc, il ne restera plus que le poisson à cuire, la sauce, puis on dresse et on mange. Voilà, on termine notre cuisson et puis on va déguster ça. En tout cas, c'est très très beau avec les petits morceaux d'orange là. Ouais, les segments et puis les zestes dans la sauce. Sympa. J'ai hâte de voir le résultat. Non, c'est bon. T'aimes bien. J'adore. Le salé sucré. Mais alors, c'est salé sucré, mais tu vois, c'est tout en finesse. C'est-à-dire que c'est pas le truc vraiment très tranché. C'est vraiment excellent. J'adore l'association. Orange. Après, c'est vrai que poisson orange en général. Ça fonctionne bien. Sans l'amertume. Ouais, et avec les petites asperges, c'est vraiment divin. La sauce, elle est tip top. Non, j'adore. Et la cuisson du poisson, top. Non, super. Ouais, tant mieux si ça te plaît. Ouais, ça me plaît beaucoup. Pour le dessert, t'es parti sur quoi ? Donc, sur une crêpe aux pommes caramélisées et flambée au calvados. Bien sûr.